Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous êtes quasiment 100 000 personnes à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram et les différents groupes Facebook. Je suis spécialisé sur l'Australie et oui, c'est un marché qui est énormissime, c'est plus de 30 000 personnes qui partent chaque année, ne serait-ce qu'en Australie, plus de 10 000 personnes en Nouvelle-Zélande. Le marché du PVT est énorme. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer mon système. En fait, c'est pas du tout un miracle, hein, comment j'arrive à gagner 1000 euros en automatique, donc sur mon blog. La plupart des blogueurs, en fait, il n'y a pas 36 solutions pour gagner de l'argent. Il faut soit vendre tes propres produits, comme par exemple un guide de voyage. Donc moi, j'en ai pas. Tu peux vendre aussi des formations spécifiques si tu pars voyager ou des excursions. C'est le cas de pas mal d'agences de voyage ou même de blogueurs voyage qui proposent ce système qui n'est pas encore très développé. Soit tu vis de l'affiliation, donc c'est mon cas à moi. J'en ai parlé à de nombreuses reprises. En fait, tu vends des produits, donc tu conseilles, par exemple, dans mon cas à moi, je conseille les jeunes qui partent en Australie, donc je vends différents produits. Ou soit tu es payé pour faire de la vidéo sponsorisée, donc ça peut être pour parler d'un produit, par exemple, ou tout simplement réaliser un voyage sur mesure et en parler dans ta chaîne YouTube. Donc c'est le cas de pas mal de blogueurs. Mais la difficulté dans tout ça, c'est qu'il y a des mois, tu vas beaucoup moins vendre que d'autres. Et ça, c'est la complication. Et je sais qu'il y a énormément de youtubeurs, d'ailleurs, voyage, donc ça, c'est dans ma thématique, où en fait, ils sont payés pour faire du contenu sponsorisé. Alors ça, c'est bien, mais ça, c'est limite, parce que le jour où tu es malade pendant un mois, tu produis aucun résultat, donc tu as 0 euros à la fin du mois. Donc ça, pour moi, c'est assez limite. Moi, mon système, mon business model, il est beaucoup plus robuste, c'est-à-dire j'ai des revenus récurrents en automatique. Donc là, je vais parler de ces fameux 1000 euros par mois. En fait, je propose maintenant du placement de produits publicitaires dans ma chaîne YouTube et tout simplement sur mon blog. Et en fait, maintenant, j'ai déjà deux contrats avec deux marques. Et là, je vais normalement signer mon troisième contrat, soit un total d'environ 1000 euros. Alors, mon offre publicitaire, c'est juste de la visiter sur mon blog parce qu'aujourd'hui, j'arrive à générer plus de 30 000 visiteurs par mois, 30 000 vues sur YouTube. Donc, les statistiques, vous les trouvez facilement sur Analytics ou avec des outils, hein, y a pas du tout de problème. Et ça, indirectement, ça intéresse les marques de pouvoir parler des produits. Ça leur fait de la pub directement. Donc ça, si un jour, t'es quand même assez influenceur, tu peux te permettre de faire de la publicité pour les marques et indirectement, tu seras payé pour ça. Donc moi, j'ai quasiment rien à faire. En fait, j'ai juste un petit peu à parler des marques ou à parler dans mes liens d'affiliation ou dans mes liens sur Facebook, dans mes différents groupes. C'est vrai que mon arme, aujourd'hui, je me sers beaucoup de mes groupes Facebook. Et en fait, c'est quasiment de l'argent automatique. C'est même de l'argent automatique. C'est vraiment fabuleux. Alors, moi j'ai mis 6 ans avant de bâtir, on va dire, cet empire, toi, où je gagne de l'argent automatiquement. Et ça, c'est vraiment 1000 euros automatiques qui tombent tous les mois sans rien faire. C'est-à-dire que si je vais à la plage, là je suis actuellement à Paris où j'ai pas beaucoup bossé, c'est de l'argent qui tombe automatiquement. Et après, j'ai bien sûr mes revenus d'affiliation, donc tous les produits que je vends sur mon blog. Donc tu peux potentiellement faire 2000, 3000 euros par mois sur ton blog assez facilement. La difficulté, c'est d'être influenceur et que les marques te contactent pour pouvoir justement parler de ces marques. Donc si demain tu as un blog sur la cuisine et que tu es influenceur, tu peux parler de faire du placement de produits et ça marche bien. Alors je voudrais juste, avant de terminer cette vidéo, c'est que si vous faites du placement de produits, le truc c'est que vous allez être payé à une action précise, mais pour moi ça c'est limite parce que vous allez être payé temporairement pour parler d'un objet électronique ou d'un téléphone, voilà, c'est ponctuel. Moi, j'ai lancé, on va dire, une offre de visibilité pour les annonceurs. Et en fait, je leur offre de la visibilité sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, sur mes différents réseaux. Et en fait, ils ont juste à partager leur pub. Donc en fait, c'est quasiment, j'ai rien à faire en fait. Et c'est ça qui est génial. Donc après, voilà, c'est quand même, il y a un minimum de travail. Il faut quand même en discuter avec le partenaire. C'est quand même un minimum de travail. Mais honnêtement, je fais quasiment rien. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est toujours bien d'avoir l'argent qui tombe automatiquement. Après, il n'y a rien sans rien, je vous rassure. Hein. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Je travaille très dur pour ça. Mais c'est des revenus récurrents qui tombent tout seul, on va dire. Voilà, quasiment tout seul. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et si vous êtes autre entrepreneur et que vous souhaitez avoir plus d'infos dans cette thématique, on va dire, moi, je conseille bien sûr les gens qui partent en Australie, mais je parle aussi d'auto-entrepreneuriat sur ma chaîne YouTube. Allez, bon courage les amis, on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos. À bientôt.